comprends bien que pour deux filles qui sortent de milieux quand même très très cadrés, à quel point ça a dû être un bonheur intellectuel et émotionnel, et quand même quelque part physiologique aussi. Je pense qu'elles se sont rendues compte beaucoup de leur corps, du désir, du flirt avec ces garçons qui revenaient de Cambridge. Puisqu'on avait moins nommé l'identité sexuelle à l'époque, finalement les rapports étaient beaucoup plus fluides. Les rapports entre femmes, entre hommes, on sent une tendresse, des amitiés, des aveux d'amour. Est-ce que ça voulait dire nécessairement qu'ils étaient homosexuels? Peut-être pas. Je crois profondément qu'il y avait dans Virginia un petit garçon amoureux des autres garçons et que cette partie d'elle-même, qui l'embarrassait beaucoup d'ailleurs, se trouvait bien avec Lytton. C'est probablement la raison pour laquelle dans les romans de Virginia Woolf, à quelques exceptions près, le désir, quand il est exprimé et raconté, est un désir homosexuel. Ceci est très visible dans Les Vagues, ceci est très visible dans Between the Acts, bien que ce soit beaucoup plus discret. Et au fond, la passion d'une femme pour un homme, elle est très absente de son texte. Leur relation est symbolique de l'attitude de Bloomsbury et de l'ouverture d'esprit du groupe, de leur prise de liberté sexuelle, de l'idée qu'on devrait être libre d'aimer qui on veut, peu importe le sexe de la personne.